بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc aujourd'hui une vidéo sur un sujet qui est un peu lié donc au lavage de mort, même si c'est dans un autre registre. Ici, il s'agit d'un témoignage, du témoignage d'un légiste, mais qui est donc une personne qui est souvent en présence de défunts et de morts. Et aussi la relation, comme on va le voir dans cette vidéo, avec le Qarin. Le Qarin qui est le parallèle, notre compagnon dans cette vie-là, parmi les djinns mécréants. Et comme on va le voir, seul le prophète alayhi wasalam a pu convertir son Qarin, donc à l'islam. Allons écouter donc cette vidéo, décryptage et commentaires comme d'habitude. Bismillah, qui essaie de préparer la personne, parce que l'objectif du Qarin, c'est le Qarin, c'est en fait le mauvais djinn, d'accord, un démon parmi les djinns, d'accord. Donc son objectif, c'est d'égarer. C'est ça, l'objectif du Qarin parmi les démons, c'est de pousser dans le mal, de toute ta vie, c'est ça. Lui, son travail, c'est de pousser vers le mal, d'accord. Le fait de comprendre ça, déjà, ça facilite beaucoup de choses dans votre vie afin d'essayer d'éviter, justement, l'égarement. Quand vous savez que tout provient, subhanallah, en grande partie du Qarin, des fois la tristesse qui est ancrée dans votre cœur, souvent, elle vient aussi du Qarin, d'accord. Il y a, comme dans le verset du Coran, « يَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا » afin que Shaitan attriste les gens qui croient, d'accord. Comme l'an-najwa, ce qu'on appelle l'an-najwa, qui est le chuchotement. Quand vous avez des personnes qui parlent comme ça, tout de suite, Shaitan dit, mais ils sont en train de parler sur vous, ainsi de suite, alors que les gens ne sont pas en train de parler sur vous. Mais le Shaitan se sert du najwa pour ancrer la tristesse dans votre cœur. C'est une des missions du Qarin, c'est d'attrister la personne, de détruire la personne psychologiquement, de l'affaiblir, de faire que la personne soit feignante, ainsi de suite, beaucoup de choses. جد مش كده وجود الجثث انا في اعتقادي ان الجثث وهي موجوده في المشرحه بيبقى القرين معاها لانها لسه ما انتقلتش الى القبر فالقرين بغادرها زي ما الدكتور بيقول. Donc lui dit que l'endroit où il y a les médecins légistes travaillent, où il y a les dépouilles, ainsi de suite, c'est un endroit fertile pour les Qarines, il dit, parce que les dépouilles, elles sont encore présentes, donc il y a sûrement les Qarines qui sont présents. Il a l'air d'être convaincu parce que a dit l'autre personne, je ne sais pas, donc c'est si c'est un médecin légiste, si c'est un psychologue, ainsi de suite, je penche plus pour un psychologue, wallahu a'lam. ومعظم الحاجات اللي بنسمعها دي مرتبطه بالقرين ولكن القرين بتاع الجسم نفسها. Donc il dit donc lui reconnaît que la majorité de ces phénomènes sont liés donc à des qarines de ces corps-là, d'accord. Et moi je pense personnellement la même chose. Et je vous dis le qarine, on a fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le qarine. Dans l'Égypte antique, on a vu que c'était appelé le ka, d'accord. Et en plus le symbole concernant le qarine dans l'Égypte antique représente le corps nu. D'accord, je ne vais pas faire le geste, mais ça représente réellement donc ce compagnonnage, ce parallélisme entre vous et un démon. Et dans le Coran, il y a quelques versets donc sur le Qarin et justement cette rencontre de la personne avec le Qarin le jour du jugement, quand la personne va se rendre compte que c'est le Qarin qui l'a poussé donc à faire du mal, ainsi de suite, il va essayer de remettre la faute sur le Qarin. Alors le Qarin, il va dire, comme c'est dans le verset, donc c'est pas moi qui l'a égaré, mais c'est lui-même qui était dans une perdition lointaine. C'est la personne, moi j'ai rien fait, j'ai juste fait la suggestion. Et c'est un peu le devoir aussi, c'est la fonction en fait du Qarin, comme l'ange gardien aussi est là, alhamdoulilah, pour essayer de te pousser à faire du bien. Et plus tu es dans le bien, plus tu es proche du bien, et plus tes hafadha, tes anges gardiens vont te pousser vers le bien. Il y a un hadith qui penche vers ceci, où le prophète sallam parle de l'amma, l'ammatul malak, et l'ammatul shaitan, donc qui est cette inspiration d'ordre satanique, démoniaque, et l'inspiration d'ordre angélique. Le prophète dit, celui qui a une inspiration d'ordre démoniaque, qu'il demande protection à Allah Azzawajal, et celui qui a une inspiration d'ordre angélique, qu'il remercie donc Allah Azzawajal pour ceci. L'inspiration, ça peut être quelque chose de compréhension que l'ange te met dans ton esprit, ça peut être une inspiration vers le bien, une idée qui te donne, il te pousse vers le bien, ça peut être voilà, tout ce qui te pousse vers le bien,
est une inspiration donc angélique. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. D'accord? Donc si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, le lien entre le Qarine et les phénomènes qui se passent justement dans ces endroits-là, où il y a, ça peut être des endroits où il y a des corps qui sont lavés, ça peut être comme la médecin légiste, ça peut être des endroits où on préserve les corps, on les prépare, on les met dans des frigos, ainsi de suite. Je pense qu'on verra s'il n'y a pas d'autres vidéos de ce genre-là, mais je pense qu'il y a pas mal de témoignages. C'est comme le lavage mortuaire, il y a aussi des phénomènes paranormaux, subhanallah, quoique on se rend compte que voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un j'aime, un partage. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.